vivas na a botana de viewa a cause do wuyontie enu emi emi juro o mi juro fa na mi wa o aminu yaule ama ona wa tintintie mi juro fa hwe lopolopo e vilopolopo do emi wa aminu ma botam lo gbona fi pe lole. La vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus efficaces pour la protection et l'amélioration de la santé des populations. Cependant, pour que les vaccins de qualité soient disponibles dans les formations sanitaires, en bonne quantité, au bon moment et surtout conservés dans de bonnes conditions, l'existence d'un système logistique performant est indispensable. Au Bénin, le diagnostic du programme national de vaccination révèle des insuffisances au niveau de la chaîne d'approvisionnement en vaccins et consommables, retardant l'introduction de nouveaux vaccins et entravant l'amélioration de la couverture vaccinale. Les vaccins sont stockés dans le dépôt national. Les vaccins sont acheminés par camion frigorifique jusqu'aux dépôts départementaux, où ils sont conservés en chambre froide ou dans des réfrigérateurs. Au Bénin, dans la chaîne logistique classique au niveau départemental succède le niveau communal. Les responsables des dépôts de communes se rendent avec des caisses isothermes au niveau du département pour s'approvisionner en vaccins et consommables. Dans les dépôts de communes, les vaccins sont conservés dans des réfrigérateurs. Dans ce système, chaque dépôt de commune mobilise un véhicule. Ensuite, les responsables pèves de chaque formation sanitaire se rendent à moto avec des porte-vaccins dans les dépôts de communes. Là, ils s'approvisionnent en vaccins et matériel nécessaire aux injections selon leurs besoins. Nous nous sommes rendus compte à l'évaluation de la gestion efficace des vaccins que notre pays était confronté à plusieurs dysfonctionnements. Dysfonctionnements notamment par rapport à la gestion de la température, par rapport à la capacité de stockage et également par rapport à la maintenance des infrastructures. Quand on s'intéresse à la distribution, nous nous rendons compte qu'il y avait un problème de distribution des vaccins tout au long de la pyramide sanitaire. Par ailleurs, le personnel de santé chargé des fonctions logistiques ne dispose pas des compétences suffisantes dans ce domaine spécialisé et se trouve détourné de sa fonction principale, qui est le soin aux patients. Pour corriger ces nombreux dysfonctionnements qui ralentissent le système et impactent négativement la couverture vaccinale, le ministère de la Santé du Bénin a sollicité les partenaires pour améliorer le système en vue d'une meilleure performance des services de vaccination. L'AMP a pu réaliser des évaluations qualitatives et quantitatives et utiliser un outil de modélisation, Hermes, développé par le Vaccine Modeling Institute, qui ont permis de mieux spécifier les difficultés du programme de vaccination et de son système logistique, et qui ont permis aussi de définir un système optimal qui permettrait d'assurer une meilleure disponibilité des vaccins aux endroits où on en a besoin, c'est-à-dire jusqu'aux endroits les plus reculés du pays, et à moindre coût. À l'issue du processus d'évaluation, le ministère de la Santé du Bénin a déterminé 4 orientations stratégiques pour accroître la performance de la chaîne logistique des vaccins. On avait dit qu'il fallait procéder à la centralisation de la gestion de l'approvisionnement en vaccins, qu'il fallait procéder à l'acquisition de chaînes de froid exclusivement adaptées à l'énergie solaire, qu'il fallait procéder à la professionnalisation des acteurs qui assurent la gestion de la chaîne logistique et aussi penser à l'intégration au niveau des zones sanitaires de l'approvisionnement en produits de vaccination. Dans le nouveau système d'approvisionnement et de distribution des vaccins, plusieurs dépôts de communes sont remplacés par un seul dépôt de zones sanitaires. Avec un véhicule équipé appelé entrepôt mobile, le logisticien de la zone sanitaire se rend au dépôt du département pour s'approvisionner en vaccins et consommables. Au niveau de la zone sanitaire, les vaccins sont conservés dans des réfrigérateurs et sont gérés par un système informatisé. Chaque mois, le logisticien de la zone sanitaire dessert chaque formation sanitaire de sa zone. Il contrôle la qualité des vaccins, effectue le suivi de la température, assure la maintenance des réfrigérateurs, contrôle le niveau des stocks de vaccins et consommables et les reconstitue selon les besoins.
La zone sanitaire de Comin a ensuite été identifiée par le ministère de la Santé pour la mise en œuvre à titre pilote des activités visant à la réorganisation de la chaîne logistique de la vaccination. Le but étant d'arriver à appliquer sur cette zone l'ensemble des orientations stratégiques et de les évaluer avant d'étendre le système au reste du pays. Ces orientations stratégiques-là étaient précisément de faire du niveau zone sanitaire le dernier niveau de distribution et donc de supprimer le niveau commune pour que le système de distribution des vaccins soit identique à la pyramide sanitaire du pays. Et la zone sanitaire a bénéficié d'un don important de réfrigérateurs solaires et l'entrepôt du niveau zone sanitaire a été complètement aménagé. Tout au long de notre intervention, nous avons également donné des formations sur les bases de la gestion efficace des vaccins et sur la logistique de santé. Une autre des orientations stratégiques définies par le ministère était la professionnalisation du métier de logisticien. Le logisticien de santé parcourt les 38 centres de santé que regroupe la zone sanitaire à bord de l'entrepôt mobile afin d'y livrer les vaccins tout en procédant à l'entretien des équipements de la nouvelle chaîne de froid solaire. Cette réorganisation de la chaîne logistique des vaccins expérimentés à Comin présente un impact positif sur les performances du système de vaccination. C'est un bon système. Nous avons beaucoup apprécié ce système. Pourquoi ? Parce qu'on ne se déplace plus vers les CS pour aller nous approvisionner en vaccins. Ce système nous permet d'avoir nos vaccins à temps et de faire vacciner nos enfants tous les jours. Donc, au total, les bénéfices sont énormes. Au moment où nos quatre communes se déplaçaient pour aller à l'Okosa, pour aller chercher les vaccins, on mobilise un véhicule, on mobilise le cabin, on mobilise le chauffeur, on doit payer tout ça là. Ce n'est plus ça maintenant. Donc c'est un seul véhicule pour toute la zone sanitaire avec un chauffeur et puis le responsable de cela qui se déplace pour aller chercher les vaccins et qui fait la distribution de formation sanitaire par formation sanitaire. Et les formations sanitaires, au lieu que les agents se déplacent, restent là et vaquent à leurs occupations habituelles. Nous avons alors l'efficacité à moins de coûts. Vraiment, c'est une aubaine pour nous. La perspective au niveau national, c'est qu'après l'évaluation qui est faite au niveau de Comin, c'est de tirer les bonnes pratiques et de les dupliquer au niveau national. Et nous voulons saluer ce partenariat que nous avons eu avec l'AMP qui nous a permis d'arriver à ce résultat.